Dans les 10 prochaines secondes, ton cœur va battre environ 13 fois. En tout cas, si tu n'es pas en train d'échapper à un ours. Tous les cœurs humains du monde vont battre 83 milliards de fois. On pourrait croire que ça ferait plus de bruit. Le cœur d'une baleine bleue va battre une fois, celui d'un éléphant 5 fois, celui d'un petit chien 20 fois, et le minuscule cœur d'un hamster va battre 66 fois. Mais le colibri l'emportera avec 200 battements de cœur en 10 secondes. Il battra aussi des ailes 530 fois, tandis qu'une abeille le fera 2700 fois. Tu vas cligner des yeux 3 fois. Tu le fais si souvent que tes yeux restent fermés 10% du temps où tu es éveillé. Tu pourrais lire 50 mots de ton roman préféré, mais seulement 20 mots d'un manuel technique ou d'un document de recherche scientifique. Tu peux prononcer 19 mots, tandis qu'un commissaire-priseur peut débiter 108 mots en seulement 10 secondes. La moyenne des propriétaires d'ordinateurs parviendront en moyenne à taper 6,5 mots. La dactylo la plus rapide du monde, Barbara Blackburn, pouvait taper 35 mots dans le même temps. 8 pensées aléatoires vont surgir dans ton cerveau. Tu vas respirer 2,5 fois. Un chien va le faire 4 fois. Tu vas perdre 5800 cellules de peau pour faire de la place aux nouvelles. En un an, toute cette peau perdue pèse presque autant qu'un pot de peinture. Ton cœur va pomper assez de sang pour remplir une grande tasse à café Starbucks. Pendant ce temps, tes reins vont filtrer assez de sang pour remplir un flacon de vernis à ongles. En cumulé, tous tes cheveux vont pousser de 4400 micromètres. Rien d'impressionnant, c'est l'équivalent de 4 grains de sable. Ton corps va produire 20 millions de globules rouges pour transporter l'oxygène et le CO2 des tissus de ton corps. Et n'oublions pas qu'1,1 million de nouveaux globules blancs vont apparaître pour t'aider à rester en bonne santé. Chacun de tes neurones va s'activer 5 à 50 fois pendant chacune de ces prochaines 10 secondes. Au total, ils vont s'activer 280 milliards de fois. Si tu réfléchis à ces chiffres, félicitations. Ton cerveau vient de consommer 126 watts d'énergie. 107 millions de mutations d'ADN vont se produire dans ton corps au cours des 10 prochaines secondes. Tes yeux vont traiter plus de 90 millions de bits d'informations visuelles, mais ton cerveau pourrait réduire ce chiffre à moins de 50 bits. Quant à ton sens du goût, il ne va traiter que 10 000 bits de données. Lorsque 10 secondes se seront écoulées, ton cerveau aura exécuté 1 billion d'opérations. Pendant ce temps, 166 millions de tonnes de pluie vont tomber sur la Terre. Si toute l'eau de l'atmosphère tombait sous forme de pluie, elle recouvrirait toute la surface de la planète d'une pellicule aussi épaisse qu'un cachet d'aspirine. Plus de 2600 météoroïdes vont entrer dans l'atmosphère. Mais plus de 90% d'entre eux vont brûler avant d'atteindre la surface. Quant aux 10% restants, aïe! La Terre sera frappée par la foudre environ 1000 fois. Un tremblement de terre va se produire quelque part sur la planète. Les sites et applis de météo vont recevoir plus de 3 millions de demandes de prévisions. Si tu regardes cette vidéo sur ton téléphone te transmettra près de 240 images. Dans le monde des réseaux sociaux, les usagers vont poster 92 000 tweets. Les gens vont publier 10 500 photos et vidéos sur Instagram. Et 500 000 d'usagers d'Instagram vont appuyer sur le bouton « J'aime » de quelques-uns de ces posts. 52 000 nouvelles stories vont apparaître sur la plateforme. 57 internautes curieux vont créer un nouveau compte Instagram. Parmi tous les emojis au choix, celui du cœur sera utilisé 3800 fois. 15 personnes enthousiastes vont entrer à Disney World. Mais seulement 6 personnes vont entrer dans le Magic Kingdom. 234 mètres de pelouse seront tondus dans le parc, soit environ 2 terrains de football et demi. 24 visiteurs assoiffés vont prendre un coca, alors que seulement 4 bouteilles d'eau seront vendues. Et 3 personnes vont commander un hamburger à Disney World. Quant à McDonald's, l'enseigne va vendre 782 hamburgers, 181 d'entre eux seront des Big Mac. En seulement 10 secondes, l'enseigne McDo va vendre le poids d'un ours polaire en frites. 8500 clients vont être servis. Et parmi eux, 163 buveurs de café vont y commander une ou plusieurs tasses de café. Le personnel de McDonald's va utiliser 686 œufs. On estime que 2023 chauffeurs Uber vont terminer leur course. Tous ensemble, ils auront parcouru assez de kilomètres pour faire le tour de la Lune, plus quelques kilomètres. 202 utilisateurs de téléphone vont télécharger l'application et commander une course. En cumulé, ces chauffeurs Uber vont gagner 264 $ en pourboire. Près de 6 millions de messages Facebook vont être envoyés et les gens vont partager 67 000 nouvelles photos via l'application.
Le temps que tu comptes tous tes doigts, 5500 nouveaux appels vidéo vont être lancés. Les gens vont envoyer 600 000 emojis et près de 6 000 GIFs sur Messenger. 30 000 utilisateurs de l'appli vont commencer une nouvelle conversation. 289 autres vont rejoindre une conversation de groupe. 117 personnes du monde entier vont se connecter à Internet pour la première fois. 91 personnes vont rejoindre le monde des réseaux sociaux et avoir un aperçu de la folie que cela représente. Un demi-million de gigaoctets de trafic Internet vont être générés. Et 306 000 gigaoctets de nouvelles données Internet vont apparaître. Plus de 12 600 transactions en ligne vont être effectuées avant que tu n'entendes le prochain chiffre. Et un grand pourcentage d'entre elles ne concerneront pas des biens matériels. 439 personnes ou entreprises vont enregistrer un nom de domaine unique, mais seulement 94 sites web seront créés. Il faudrait des jours pour les explorer tous. Les utilisateurs de Snapchat vont partager 200 000 photos et vidéos. Les Snapchatteurs actifs vont consulter l'application 30 fois par jour. 20 personnes vont s'inscrire sur LinkedIn dans le but d'établir des contacts professionnels. Les créateurs de contenu vont publier 83 heures de vidéos YouTube et celle-ci fait partie du lot. 476 nouveaux articles de blog vont apparaître sur Internet, dont la plupart que nous n'aurons jamais le temps de lire. Les utilisateurs de téléphone vont parvenir à envoyer plus de 2 millions de SMS avec une vitesse de frappe moyenne de 6 mots toutes les 10 secondes. Pendant que tu réfléchis à ce chiffre, Amazon va envoyer 185 colis à ses acheteurs en ligne. Et le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, va gagner 32 000 dollars pendant ces mêmes 10 secondes. Quant à Bill Gates, il va gagner environ 3 800 dollars. En cumulé, les spectateurs de Netflix vont regarder 16 000 heures de films et de séries en streaming. 55 nouvelles tablettes vont arriver dans leur nouveau foyer. Les parents vont dépenser 318 000 dollars. Les Américains vont faire des dépôts d'argent liquide pour un montant total de 887 dollars aux distributeurs automatiques. Il va y avoir 1 840 dollars de retrait pendant ce même laps de temps. 166 000 passagers d'avion vont voler quelque part au-dessus de la Terre. 11 avions vont décoller d'une piste quelque part dans le monde. 31 invités vont s'enregistrer dans un Airbnb alors que 58 autres y séjourneront déjà. 47 futurs voyageurs vont effectuer une réservation en ligne pour leur trajet. Les gens du monde entier vont boire 230 000 tasses de café. 104 000 personnes vont finir de boire leur Coca-Cola. Les entreprises vont produire 600 rouges à lèvres. 20 tourtereaux vont se marier et nous aurons 10 couples nouvellement mariés. 24 personnes vont acheter une nouvelle maison. 43 nouveaux petits humains vont faire leur entrée dans le monde. 7000 petits poussins feront de même. Mais une espèce de nématode va se multiplier par 69 milliards pendant ce temps. Les gens, les entreprises et les robots vont envoyer plus de 33 millions d'emails, dont la plupart finiront dans notre courrier indésirable. Google va tenter de répondre à 30 millions de questions dans les navigateurs des gens. Pendant ce temps, 4760 usagers de Reddit vont chercher des réponses sur leur site préféré. 324 usagers du site vont laisser un commentaire sur un post. Les acheteurs en ligne vont laisser 1,2 million de dollars d'articles dans leur panier. 472 personnes vont acheter un smartphone. 70 d'entre elles vont choisir un iPhone. Et 13 personnes seront les fiers nouveaux propriétaires d'un iPad. Pendant qu'ils déballeront leur nouveau gadget, Siri va répondre à 39 000 requêtes. Au total, 7 Apple Watch vont être vendus. Un peu plus de 9 700 applis vont être téléchargées sur les iPhones, 2 900 d'entre elles seront des jeux. Les utilisateurs d'iPhone vont envoyer plus de 2 millions de messages. 125 000 mélomanes vont écouter leur musique préférée en streaming sur Spotify. Et 2500 nouveaux titres vont se retrouver dans les listes de lecteurs iTunes des gens. La lumière du soleil va parcourir environ 2,9 millions de kilomètres. Cela ne représente que 1/50 du chemin vers la Terre. Si tu pouvais voyager à la vitesse de la lumière, tu ferais 75 fois le tour du globe en 10 secondes. Notre univers va s'étendre de 148 km, soit un tiers de la longueur du Grand Canyon. La Terre va parcourir 299 km dans l'espace, soit les deux tiers du Grand Canyon. Notre planète va pivoter sur environ 4,8 km à l'équateur. Il faudrait à une personne moyenne une demi-heure pour parcourir cette distance en courant. Le Soleil va consommer 6 milliards de tonnes d'hydrogène. On va se passer de comparaison pour celui-là. Ça fait beaucoup de gaz. 300 étoiles vont exploser. Mais ne t'inquiète pas, 48 000 nouvelles étoiles vont apparaître.
la galaxie d'Andromède va se rapprocher de nous de 1094 km. Et tu mettras bien 10 secondes à trouver tes chaussures, voire même davantage.